Aujourd'hui, j'ai trouvé un nouvel ami, qui a l'air bien content. Très tôt le vent s'est levé, et le ciel s'est couvert. C'est l'annonce de la pluie et d'une mer agitée. Bercée par les vents du large, elle ondoie. Les parasols résistent et tiennent debout face aux petites bourrasques. Tour à tour, le peu de sable noir s'efface, et rend le grain de ses origines, à cette plage fille de volcan. Les tons rivalisent dans les nuances, entre les anthracites, et le blanc de l'écume. La nature reprend ses droits. Juste le temps d'une inversée, libère ainsi les plages de ces touristes parfois trop encombrants. On replie les parasols et range les transats. Ils épurent ainsi l'espace et rendent au bateau des pêcheurs une exposition plus belle et plus sauvage. Ce sont des embarquements de bois, petites comme des coquilles de noix, apprêtées aux couleurs de la mer. Elles attendent, filets sur le pont soigneusement ramassés ou posés sur le sol ou gravier très fin. J'imagine sans peine les hommes qui, la marée venue, s'apprêtent à embarquer, aller au loin, et les lancer. Puis, les remonter, espérant y trouver quelques poissons ou crustacés. Recommencer, pour de nouveau espérer que la prise soit bonne. Alors, il ne nous reste sous les rires d'un enfant, des marines à peindre, ou à photographier.